On a eu une bonne première mi-temps, équilibrée avec un démarrage un peu poussif des Tours-la-Vilaine, avec Cœur de Ville qui met normalement un but logique. Et après, Tours-la-Vilaine est rentré dans le match. Et Jimmy nous permet de revenir à un partout avec une superbe reprise de volée à 15-16 mètres du but. Très très bonne mi-temps. J'espère que la deuxième sera aussi bonne. Match nul, un peu frustrant, parce que je pense qu'en termes d'occasion, on peut faire mieux et gagner le match. Après, voilà, ça se jouera au match retour, on va dire. Mais nous, la mission, elle est acquise. On en reste sur 4 matchs à domicile de suite sans défaite, donc c'était important. Et puis voilà, le match nul, on perd pas de points, on garde le premier point qu'on nous donne au coup d'envoi, donc c'est cool. Voilà. Ouais, du coup, match compliqué, hein, match nul contre le FCH, donc sur un derby, c'est loin d'être le match le plus beau de la saison, hein, faut être honnête, c'était pas le plus beau match, mais par contre on a été efficace, on a repris un petit peu de confiance derrière, ça fait du bien, on a été solide devant, on a été solide dans toutes les zones, vraiment satisfait de l'état d'esprit du groupe, hein, ça fait du bien de repartir un petit peu de l'avant, et puis il va falloir servir de ça pour la deuxième partie de saison, et puis l'arrivée du nouveau coach. On sort du match assez frustré, parce qu'on a fait beaucoup d'efforts pour remporter ce match-là. On a malheureusement appris à nos dépens ce soir que la chose la plus difficile en football, c'est de marquer des buts. On a eu beaucoup de situations, beaucoup d'occasions. On a manqué un petit peu de réussite, mais pas seulement. On a eu aussi un petit peu trop de mauvais choix à mon goût sur certaines situations. On a manqué un petit peu de calme et de sérénité aussi devant le but pour pouvoir faire la différence. Mais ça reste un point de prix. On est dans notre série de 6 matchs très positifs en termes de contenu et de résultats. Donc c'est bien. On va maintenant partir se reposer. Ça va faire du bien cette trêve. Et puis rattaquer 2023 avec les mêmes intentions. Moi, j'ai vu un bon derby. Un match certes de fin d'année, mais où les deux équipes ont répondu présent dans les duels. J'ai plutôt bien aimé ce comportement de l'AS Tours-la-Ville aussi ce soir. Sur la première mi-temps, ce 1-1 est plutôt justifié. Sur la fin de match, FCEH a poussé un peu. Mais je pense que sur la globalité et sur l'ensemble, ce nul est plutôt mérité à mon avis. Voilà.